accueillir pour cette inauguration. On a le privilège d'avoir aujourd'hui notre président, Serge Bonnel, pour procéder à l'inauguration de cette superbe agence. On sait qu'elle existait avant, hein, cette agence. Elle a été victime d'une grande catastrophe naturelle au mois d'octobre. Le choix s'est posé, est-ce qu'on reste? On est en centre-ville. Des fois, les garages en centre-ville, on ne nous aime pas trop. Et puis finalement, on s'est dit qu'on avait un vrai rôle ici, dans le quartier. On était reconnus par les clients. On avait ouvert grâce à l'énergie d'une équipe, grâce à l'énergie d'une organisation présidée par Serge. C'est pas le premier point de vente Bezrive, en fait, ici, c'est un des tout premiers, si ce n'est le premier point de vente Massa. Donc c'est vraiment un point de vente historique. Et ce qu'on fait, c'est le dernier point de vente Bezrive, parce qu'il a basculé, malheureusement, un an après, le 3 octobre, je ne sais pas si c'était le 3 octobre que j'étais venu, ou le 4, en tout cas, il y avait encore... Là où il y a un trait noir, il y avait aussi un trait marron, mais qui a été fait malheureusement par la catastrophe naturelle que la région avait subie, ce point de vente en particulier. Le personnel du point de vente s'est vraiment retroussé les manches pour faire en sorte de nettoyer ce point de vente, mais malheureusement, il ne pouvait pas démarrer, et puis on s'est dit qu'il fallait à tout prix faire de ce point de vente une référence. Et il y a eu des péripéties, puisque au-delà de l'aménagement de l'atelier, on a dû aussi consolider le bâtiment. Voilà. Donc tout ça, ça a pris beaucoup de temps, et je pense que c'est très important pour avant tout le personnel de Bezrive de la région, et bien sûr et les clients nous accordent leur confiance à travers cette période difficile, et j'espère qu'ils nous accorderont leur confiance encore plus dans les mois à venir, de montrer que nous, on croit dans le projet Bezrive, et que cette difficulté, ce malheur que l'entreprise a subi il y a un an, on la transforme un an après en une opportunité, parce que je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce point de vente, il n'a rien de comparable avec le point de vente précédent. Et il fera en sorte, pour ce point de vente et pour Bezrive en général, de passer la phase qui est toujours difficile de lancement pour arriver à une phase de réussite et de pérennité pour que tout le monde en tire une satisfaction et de la fierté. Et je suis convaincu que l'équipe du point de vente, que maintenant Jean-Marc va vous présenter, est très motivée, très confiante dans cet outil de travail, et que les résultats bientôt, je n'aurai pas à les chercher dans la liste des 230 points de vente de Bezrive, parce qu'ils seront tout en haut. Merci à vous. Merci. Merci Serge, merci à tous d'être là. Vous savez que dans les grands événements comme ça, il y a toujours des personnes dans l'ombre qui organisent. Et je voudrais remercier particulièrement Christine et Olivia. Puis il y a une équipe opérationnelle avec un directeur régional, Thierry Miraillet, un responsable de secteur, Jérôme Ron. Et puis tout ça, c'est rien s'il n'y a pas une équipe de choc au quotidien dans l'agence. Donc je demande à Jean-Daniel, chef d'agence, à Anthony, à Stéphane, à Pedro et à Louis, qui ne sont pas des lapins de 6 semaines dans le métier. Hein. Je veux dire, c'est des personnes expérimentées, qui viennent du réseau, et qui tous les jours apporteront leur service. On vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous et à toutes.